aujourd'hui, nous sommes à Eiffel, enfin bref. On est chez Lotus pour essayer la nouvelle Exige 350 Sport. Est-ce une nouvelle Exige ? Oui et non. Oui, parce que mine de rien, il y a quand même énormément de pièces qui changent. Et surtout, principale nouveauté sur cette version 2016, Lotus revendique 51 kg de gagné. Je ne vais pas vous faire la revue de détail, ce serait bien trop long. Et ce qui est sûr, c'est que le comportement qui était déjà succulent de Exiges s'en trouve encore plus bonifié. La voiture est toujours proposée à la fois avec une boîte mécanique, comme je l'ai aujourd'hui, ou une boîte automatique. Petite particularité de cette version millésime 2016, c'est que maintenant, on peut voir les entrailles de la commande de boîte. À part cette boîte, à part des trains roulants qui ont été légèrement revus et un faux châssis arrière qui lui aussi a été retouché, on a droit à ce nouvel intérieur très coloré, Twitter-temps. Alors ça pique les yeux, il n'y a pas de doute, mais ça correspond assez bien à l'esprit initial de Lotus, notamment de l'esprit en 1980. Paradoxalement, alors que cette Exige 350 Sport est le top de gamme chez Lotus, c'est pas elle qui fait le plus de bruit. Non, c'est la grande sœur Evora 400. Bon. Je ne vous cache pas que ça chante quand même un peu. Mais moins que l'Evora néanmoins. Cette nouvelle Exige, elle coûte un peu plus de 74 000 euros. D'aucuns trouvent que ça sera trop cher. Après, là où Lotus frappe très fort, c'est que vraiment ils décident, et ça on leur en sait gré, d'appliquer à la lettre l'héritage qu'est le leur. Light is right, mais light is back. Et conduire une voiture avec autant de caractère et surtout qui offre un agrément tel en raison de sa légèreté, un coup de chapeau.